bien pour une vidéo unboxing, c'est-à-dire je vais vous ouvrir ceci qui contient des petits trésors. En effet, j'ai fait une commande sur Sponjack pour les rouges à lèvres Elisa Makeup. Déjà pour l'envoi, ça s'est passé super vite. J'ai commandé dimanche sur leur site et j'ai reçu aujourd'hui, donc mercredi. Donc voilà, c'est parfait. Donc j'en ai commandé 4 rouges à lèvres, plus un, mais un à offrir, donc je ne vous le montrerai pas. De toute façon, c'est une teinte que je vais déjà vous montrer, donc c'est pas important. Je l'ouvre. Le premier rouge à lèvres que je tiens, donc c'est le rouge, le Stilettos Red. Déjà, le packaging de la boîte, trop beau. De toute façon, je pense que certaines d'entre vous ont vu la vidéo d'Elsa Makeup. C'est une sorte de rose gold, l'écriture, avec la teinte ici. J'adore les petits détails des cœurs. Quand on ouvre. Hop. Le packaging rectangulaire, super beau. Comme elle le disait, c'est bien rose gold avec l'écriture d'Elsa Makeup ici. Mais quelque chose que je me posais la question, c'est s'il rentrait dans mes rangements rouge à lèvres, car je pense pas. Je vous montre en enlever un. Donc voilà, il ne rentre pas dans les rangements rouge à lèvres. Hop. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il... Ah oui, d'accord. Donc, il est aimanté. Et la couleur... Alors, pour les... Je vais vous faire des swatches sur la main et je vous intégrerai aussi des photos portées sur les lèvres. Hop. Ah, il est super beau. Il est bien mat. Et il a l'air assez hydratant sur la peau. Le second. Le Peach Me. Donc toujours le même packaging. La couleur ici. Alors ça, c'est une couleur que je ne mets pas d'habitude et je me suis dit, ben, je vais tester, on va voir. Les rouges à lèvres sont à 10,80€, donc franchement, ça vaut le coup. Hop, est-ce que vous voyez bien? Le troisième que je pioche. Le Fuchsia Fever. Ça, c'est les couleurs que j'aime bien en ce moment. Un beau rose fuchsia, comme son nom l'indique. Donc voilà. Ah, il est sublime. Il est trop beau. Je vais le tester. Donc le voilà. Et le quatrième, puisque le cinquième, je ne vous le montre pas vu que c'est à offrir. C'est le LAS ou LACÉ. Donc, je vous remontre la couleur. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc, voilà la couleur. Et celui-là, c'était un aussi que je voulais absolument, parce que c'est des nudes roses qui tirent légèrement vers le rose, que j'aime beaucoup. Donc hop, je swatch. J'aime bien. Bon, vous avez vu, j'ai mis plusieurs couches. Pourquoi? C'est tout simplement pour que vous voyez bien, vu que la luminosité n'a pas l'air terrible, terrible.
Donc voilà, alors mon premier avis dessus, ils ont l'air super, ils sont sublimes. Des mattes, c'est la texture que je préfère dans tous les cas. C'est vraiment un plaisir de commenter les rouges à lèvres de cette youtubeuse, car je trouve que c'est une personne très courageuse qui a du vécu et qui fait des superbes vidéos. Hein, on sait qu'elle a beaucoup beaucoup de maquillage, elle est de très bons conseils, donc c'était logique que je teste. Donc voilà pour l'ouverture de cette enveloppe. Rien à voir, j'ai fait une tresse, je voulais vous montrer et voir avec vous si ça vous intéresse un petit tuto avec trois, je pense, trois sortes de tresses à faire sur les cheveux. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, vous me direz en commentaire. Et si ça vous intéresse, vous me le dites et je fais ça pour la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.